Salut tout le monde. Non pas moi, c'est Hans Félix. Moi, c'est un éducateur pour PSL. Et moi, déjà, souhaite bienvenue dans la Kokenshin communauté que nous avons, qui a assuré que connaissance que vous apprenez ici, là, a bien pour servir jusqu'à ce que vous pas existé encore. Bon, mes topics nous avons pour parler de l'IA. Tout le monde a entendu parler de Forex, Sax Trading, non? Et qui s'allie, qui s'allie vraiment est au juste. Et bien, je veux dire, on n'a pas dégusté topic ça. Et moi, je souhaitais que vous prenez et vous prenez Kaya, vous prenez et Biku, vous prenez, vous avez bien pour prendre pile note, je veux dire, et connaissance que vous avez joué ici là, pas gagné pareil. OK? Bon, nous avons des années depuis que nous avons fait ça en affaire, et moi-même personnellement. Et nous avons pile expérience, so à souhait, on a bien pour nous vraiment déguster toute information que vous avez pour besoin comprendre dans sacré le trading. Ok, so si on sont débutants, eh bien, vidéo ça, webinaire ça, c'est pour vous lier. Bon, on nous définit qui ça Forex là, pour nous commencer. Ok, et toujours comprendre que si vous avez pour apprendre plus au-delà de vidéo ça, ou bien pour aller sur www.profitsanslimite.com pour éducation. OK? Qui ça Forex là? Est-ce que son montre Rolex lié? Est-ce que c'est des toits I5 mettez tête ensemble pour bon, ça lié au juste. Nous t'en parler de lui toute la sainte journée. Et ou même qui fait commencer à apprendre de ça ou t'as aimé comprendre exactement côté bas ça sorti. Eh bien, Forex là, vle di Foreign Exchange Trading. OK? Ça, son market d'échange d'argent. Tant coup, si moi allé à Haïti, dans moment ça, comme Américain m'a bien pour échanger en gold ou bien en dollars haïtien. Eh bien, transaction ça fait là, son échange d'argent lié. Toute banque fait partie de market ça. C'est une industrie de 7,2 milliards de dollars. En pile cob a fluctué de jour en jour, de main en main, de banque en banque, comprenez? Et pas celle Sogé Banque, comprenez? C'est pas celle et une grande compagnie seulement qui en jeu, parce que tout le monde connecté avec qui ça? L'argent. Si vous avez pour voyager, ou bien pour gagner, pour porter l'argent pour qu'à utiliser dans l'autre pays, pour qu'à faire transaction. Second 4 et visa ou bien pour qu'à utiliser pour qu'à payer pour faire transaction. Et ou pas même bien besoin comme haïtien pour qu'à faire transaction, les allons l'autre côté sous bien visa. OK? Et taux valeur comme par là qu'on soit plus bas ou bien plus haut en comparaison de l'autre pays qui est plus puissant ou bien qui gagne plus business, qui fait plus transaction, et bien c'est ça que Forex là. C'est market qui est plus puissant dans le monde là. Et tout le monde fait partie de l'industrie, ça. Maman, papa, ou soeur, ou frère, ou, depuis l'Antiquité, tu as toujours une transaction qui a fait. Longtemps, ça que tu es arrivé. Eh bien, longtemps, c'était l'or, ou bien l'argent, ou bien des brebis, ou bien bœuf, cabrit, blé. Toutes sortes de formes d'échange que monte qu'on a fait en échange de un bagage qui gagne valeur. OK? Si on a bien pour nous parler plus de ça, on nous parler plus de horaire Forex là. Comment market ça move? OK? Tout le monde fait partie là-dedans, vrai? Eh bien, ça veut dire horaire market ça du dimanche au vendredi à 5 h du de l'après-midi, le dimanche, au vendredi, 5 h de l'après-midi, market ça a ouvri 24 sous 24 et transaction bancaire a fait. Gain de l'autre market qui qu'on ouvri le dimanche tout, mais ça c'est market index yo, et commodité, l'or, l'argent, et l'huile, gaz, pétrole, bah ça, market ça, le dimanche, il ouvri à 6 h PM pour moi-même avoir nos cas trade yo dans une plateforme que m'a bien pour m'expliquer. OK? Trading nan son bagage qui tellement intéressant parce que depuis ou gon téléphone,
Si nat kom ou si digi sel ou konekte ou gen minute ou gen internet sou li, eh bien, tout peyi pri. Se yon industri kote, nèpot kote ou ye nan moun lan, de pou gen wifi, ou gen yon telefon, ou gen konesans lan, ou bien yon laptop, eh bien, ou ka fè profi. Sa son bagay ke ou pa bezwen te ale l'ekol pou li pou 6 an, pou 10 an. Sa son bagay ke maman pa t'oblije te gwo e ingenyeur ou bien ou pa bezwen gwo matematisyen pou komprenn koman pou apran fè l'ajan nan telefon. La viv nan moun kounya ki dijital, kote li bop, e oportunite pou ka fè de bagay ke lontan nou pa mèm, ou pa jam gen oken ide ke nou ta prive la. Eh bien, se freedom sa. Se nesesite sa ki fò la jodi a, ki fò vle apran ki sa market sa kapote pou ou. Eh bien, nèpòt kote ke mwen gen iPhone, mon chè, m ka fè l'ajan. A la bagay bel, hein? Trè bel, trè bel. Sa vle di, fò konn koman pou fè analiz teknik, e fò konn koman pou fè analiz fondamental, e bien, nap gen pou nou apran nou plus de sa. Kounya la, nou gen pou mande tèt nou. Ki as ki patisipe nan market sa? E bien, kom mwen tap di nou, gen de bank, gen firm, gen investisman, ok, gwo bank, gwo zotobre, ki fè pati de sa, paske ou pa jen panse, le walon bank ou mette la jen pa ou. Kote yo kembel, ki sa yo fè avèl. Lotan de moun gen assurans. Koman moun sa yo fè peye moun kap mouri? Le ou moun mouri, fò assurans lan peye yo pou ka fè bel anterman. Ok? Le ou e des industri machin ou bien gouvenman ap resevwa gwo l'ajan kob kote kob sa yo soti, ki es ki prete yo kob sa yo? Koman kob sa fè fèt, eh bien, se sak fè tout transaksyon sa yo yo konekte ansan. Ok? Ale di, nou yo gen sak le hedge fund, fond mutuel, ok? Fond de pansyon, de bank sentral, ke okay? De bank de rezerv nasyonal, ok? De investisman e privé. Tout kompani sa yo, se yo menm ki pi gwo patisipan, nan market la. Paske yo menm tou, non selman yo patisipe, men yo fè benefis, yo fan pil lot bagay, en ap gen pou pale plus de sa. Kounya la, si nap gade graf sa, nou wè ke l'ajan ki echange pi plus avèk top bank yo, ki kontrole market yo, se yo. E mpata kon nou tap to sezi pase sa pou nou wè ke dola Amerikyan se li menm ki number one, se li menm ki echange pre de 88,3% pendant 1 jounè ou bien pendant 1 semen. Pou ki sa? Au kou de 24 tan sa yo, kob Amerikyan, premièman, peyi Amerik du Nord la ki renoure les États-Unis, li gen anpil baz d'armée anpil kote. Li gen pil ambas, li gen li menm ki gen plus ambasade e nan plus peyi. Se nou menm, se peyi Etats-Unis ki pi pwisan nan moun lan, e nap gen pou nou konen pou ki sa. Ok? E anpil bank ki gen anpil to d'arjan ki ka prete lot ti bank, yo baze an Amerik. Ok? Se sak fe ou e kob Ameriken, an, surtout gen pil baz de l'armée qui situé dans le monde là, c'est ça qui fait nous que l'agent américain number one. Numéro 2, c'est euro. Troisième, japonais. Nous et Grande-Bretagne en quatrième. Et puis nous en sixième, c'est Australie, Canada. Et so, nous est liste là, arrivé jusqu'à 15. Mais nous guettons qu'on est ça la pensée. Côté Koba ici, un côté good là. Côté good là. Eh bien, si vous avez pour me répondre, combien de pays vraiment vrai nous penser qu'il y en a fait avec Haïti et combien Haïtiens vraiment vrai vous penser? Alors que nous pensons, nous disons, allez, Haïtiens gagnent dans le pays. Haïtiens même fait quelqu'un ni en Japon. Ni la Russie, mais nous pas gen assez moun, nous pas gen en pile dans population nous qui a échangé comme haïtien dans pile banque dans le monde.
Ok, mais en pile haïtien changé comme américain, même dans le pays par nous, Haïti. C'est pour ça nous avons que il y a des pays qui pas même fait l'islam même dans le volume de transactions qui fait à part de l'argent qui change, qui est changé, même dans l'aéroport, comme américain, number one. Après ça, nous avons regardé notre graphe à droite là. Nous avons dit combien traders ou bien gros volume de institutions qui trade et qui c'est top traders dans le market là. Eh bien, à partir de 2019, nous voyons que en pile dans drapeau ça, nous voyons dans 10 et institutions, nous voyons drapeau américain, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Eh bien, c'est ça que nous avons dit, nous. Près de 6 institutions qui fait market ça move, yo sorti dans territoire américain. Nous avons JP Morgan. Le monde qui a une banque ici en Amérique, et Bank of America, Chase Bank. On prend toute banque ça, on fait une grosse transaction et puis on fait un pile partnership avec l'autre pays. Nous avons UBS. Nous avons Goldman Sachs, un pile gros nom ici, là, nous capables même reconnaître. OK? Quand y a là, on arrive dans une petite histoire de market là. C'est un market, nous disons, qui est ancien. OK? Parce que affaire échange d'argent, vraiment vrai, depuis la période antiquité babylonienne, tu as toujours un échange d'argent ou bien échange de un bagage de valeur pour un service ou bien pour des transactions industriel, OK? Il y a des fois, longtemps, longtemps, c'était et monde qui était gagné en pile bœuf, qui était gagné en pile brebis, qui était gagné en pile et terre, eh bien, là, pour faire échange, bon, il y a des fois, c'est comme des mondes, c'est des esclaves qu'on a changé qui gagnent valeur. Qu'on y a là, tout système ça, comme nous venons évoluer, nous avons bien besoin changer tendance. OK, qui fait moyen d'échange des prêts précieux ou bien animal, vivre, patate, etc. Comme on te dit, non. Mais dans la sixième année avant Jésus-Christ, l'or est venu utiliser comme premier type d'échange qui est acceptable et qui est un standard pour le faire échange. Mais système, ça te travaille. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, là. Après ça, pays européens ont été obligés de suspendre standard gold là, ou bien l'or là, pour prêter l'argent surplus pour supporter la guerre. Là. Parce que pas de assez l'or pour stabiliser l'argent européen qui a créé inflation. Parce que y a un phénomène qui est toujours arrivé. Il la guerre ou bien il y a une économie qui est instable. Il est obligé de prêter en pile cob en papier, en forme de papier, mais en pile fois tout, pays a raison fait valeur en l'argent par te vaut bagage, c'est parce que tu as gagné des réserves d'or. N'a bien pour continuer avec ça. Inflation, on l'a dit, vient en pile et cob qu'a prêté et vient en pile demande pour cob là. Mais pas gain assez supply, OK? Vin pas gain assez business qu'a fait pour supporter tout prêter l'argent ça. All right? So, nous souhaitons que nous comprenions ça m'a dit. En plus, après ça, transformation et change market là t'es vin établi. La dernière période, Deuxième Guerre mondiale, là, en Bretton Woods, New Hampshire, qui en Amérique. En 1944, États-Unis, avec représentative sorti dans 44 autres pays, établit World Bank, qui c'est Association Banque mondiale. C'est juste ça tout, collectivement, ils ont voté que États-Unis devenir comme Zoreldo échange international tout le monde yo, et US dollar devine faire lien avec l'or. Dans le moment ça, bon m'expliquer nous,
Le te vin gen premier ou deuxième guerre mondiale, yo, en pile pays te vin perdu ressources, yo, ta kou ressources d'or, yo, sa te bay en pile banque valeur, eh bien, États-Unis te tellement gagné en pile nan guerre sa yo, yo vin gen avantage la. Et tout, comme te gen des réparations qui te besoin fait, yo vin fè alliance. Parce que là, yo tellement vin puissant, yo konnen fò yo fè refè business avec pays sa yo. Et bien, c'est dans comme ça, tout pays yo te dit, bon, ok, chapeau bas devant États-Unis, nap utilise nous comme leader mondial. Et puis, comme ou gen plus l'or en réserve, c'est ou même, et comme l'argent pa ou pi stable, et bien, yo choisi États-Unis comme leader nan pourcentage comme qui gagne. C'est ça qui fait jusqu'à présent, ouais, en pile banque et américain institution ça yo, t'es là depuis longtemps, yo t'es établi et gouvernance yo. C'est ça qui fait, ouais, yo t'es fait décision ça. Mais éventuellement, à Cobre and Woods là, t'es venu tomber parce qu'il pas assez d'or disponible dans position États-Unis pour supporter tout dollar vet qui t'a prêté chaque jour dans l'économie. Nous saisis. Échec ça, t'es venu la cause un changement officiel dans le système dans le cap flotté gratis. Allez dire, valeur là, t'es tellement commencé à perdu et position li. Comme américain, t'es prend un bon petit coup. Tellement y a payé tout l'autre pays à faire transaction, etc., etc. Nous vin à importer aide nous et puis nous oblige à payer pour toute transaction dans l'autre pays. Yo. Avec dit l'autre pays, yo, gen des bagages que nous besoin pour manufacturer, nous oblige à payer yo, et en échange, nous oblige à faire comme par nous. Puis cher, l'aime dit comme par nous, m'a parlé de Amérique, yo vin faire comme la vin plus cher. Ou yo te ka fè des bénéfices. Eh bien, toute transaction sa yo vin créer fluctuation, ok, qui te pote en pile potentiel pour profitage l'autre pays yo. Ale di, to l'argent yo, yo te tellement levé, les dollars américains vin faible, to l'argent pa yo vin levé parce que les a pas acheté, yo vin faire bénéfice en américain. L'autre pays yo, yo vin gen plus bénéfice pour Amérique acheter nan men yo et puis yo même yo fait bénéfice. Jusqu'à présent ça qu'on fait. Kounya, longtemps c'était banque qui te kon fait transaction ak lot. Mais kounya grâce à la technologie vin gen opportunité pour online trading. C'est ça qui fait pour raison ça, nous besoin qu'on ait qui l'autre raison qui fait market la te créer. Eh bien, objectif primaire forex market la, c'est commerce international. Stabiliser économie. Yon pays besoin que économie le stabiliser parce que si nous pas ka stabiliser un pays, avez dit vin gen rabodaye, vin gen bamboche. Moun pas ka payer moun ki employé, moun pas ka payer pour transaction, pour et import et export qui fait dans pays a. Ça veut dire vraiment important pour yo stabiliser l'argent en pays. Ça bel là parce que banque yo communiquer avec yon lot, yo ka vin faire un accord pour yo ka décider qui prix base en pays pour ka faire commerce. L'autre raison qui fait market ça te créer, c'est pour te ka gérer réserve l'argent et of, bien même j'en m'en fait dit non export et import global. Ou akon wè len ale nou wè nan waf la toujours gon bon gros cooking chain package k'ap sorti ki t'se machine, ki t'se manger, ki t'se ressources que pays yo besoin. Chaque pays gon bagay important que yo pote qui vin faire commerce toujours à créer. Et les gros transactions ça yo gen pour payer pour yo, eh bien chaque monde, chaque pays gon banque pour yo ka faire transaction, pour transaction ka échanger. Eh bien c'est ça forex là, foreign exchange. OK?
So, on nous parlait de currency pairs et type de et l'argent qui existait. Currency pairs, ou bien on paie l'argent, c'est une cotation de différents prix, l'argent payé ou calculé ensemble. Yon contre l'autre. Premier prix après les prix base. Et deuxième, non, c'est prix cité. Exemple, si vous prenez l'argent Grande-Bretagne avec l'argent américain, nous relève le GBP USD. Là, mettez prix GBP ensemble avec prix et dollar américain, vous divisez l'ensemble, divine barreau, un price point, un point de prix côté, vous avez fait commerce ensemble avec, et en plus, nous-mêmes, nous avons trade prix ça. Pour si valeur la montée, nous ka trade li pour market la montée ensemble avec nous pour nous faire profit. Mais si market la descend, nous ka rentrer dans trade tout qui est en vente, en selling trade, en sell et position qui fait n'importe jean market la, ni s'il monte, ni il descend, nous gagnons opportunité pour nous ka faire profit dans tous les deux tendances. Ok, n'a bien pour nous parler, n'a bien pour nous parler comment ça a fait. Nous avons besoin de comprendre. Pour qui pour, pour qui pour. Ok? Now, il y a trois types de paires l'argent. Il y a majeur, il y a mineur et il y a des exotiques. Ou cap, mon tête, côté l'argent haïtien, mais côté elle, eh bien, n'a bien pour nous find out. N'a pas continué. Mais liste paie l'argent qui fait commerce dans le monde là. Et à cause gros l'argent liquide circulé avec US dollar, et nous connaissons que le dollar haïtien, c'est le même qui est plus puissant, eh bien, au cas où, c'est ça qui fait paie ça, yo major pairs. C'est eux-mêmes qui fait plus de transactions qui sont plus populaires. Et dans le monde, nous avons USD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, dollar canadien avec dollar américain, dollar australien avec dollar américain, dollar de la Hollande. OK? Toutes paires, nous avons près de 6, pas vrai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bon, 7. Nous récompte encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, allez dire, nous gagnons 7 paires majeures. OK? So, il y a deux raisons qui font paires majeures. Yo, ça, yo, fait plus de transactions dans le monde là. Et yo gagne dollar américain qui paire avec. N'a bien pour nous gain de paire qui gagne dollar américain là-dedans mais yo pas paire majeur peut-être yo pas et yo pas et yo pas condition pas rempli tous les deux conditions ça yo pas rempli. Allez dire gain deuxième type de paire qui c'est paire mineur. C'est là l'argent pas gain là-dedans USD et c'est ça fait les son paire mineur. L'argent, ça, il fait transaction souvent, mais ce n'est pas avec dollar américain. Mais il y a une raison qui fait ça. Parce que chaque banque fait transaction ensemble et ce n'est pas seul dollar américain qui c'est un leader dans le monde. Il y a Grande-Bretagne, il y a Euro, il y a la Hollande, il y a l'Australie. Allez dire, chaque banque fait, il y a Japon, tout. Là, chaque banque fait transaction ça ensemble. Bagala li équilibré. Market la équilibré, commerce équilibré. Troisième, dans troisième lieu, nous arrivons dans exotique pair. Et baba la wale avant. Rete. OK. Exotique là, c'est un pair qui. Yo fait, yo c'est l'argent qui gagne moins commerce. Yo fait moins commerce dans les plateformes globales là. OK. So. Dans le marché Forex, là, yo pas utilisé l'argent ça pour faire un pile transaction. Volume dollar américain, c'est comme s'il y a des milliards de dollars qui
qui a fait transaction dans tout le monde là, ou après, Père Saro qui a fait peut-être des centaines de millions de dollars par jour. Eh bien, c'est différence là, ça. Kounya, nous voyons que moi, mettez que gain USDMXN, qui c'est dollar mexicain avec dollar américain, et USDZAR, qui c'est COB Afrique du Sud là. COB Saro, Père Saro, yo, c'est des exotiques pour qui ça? Et pas parce que yo pa gen dollar ici américain, c'est parce que yo pa gen assez liquidité et volume de transactions qui fait avec Pair ça. Son j'aime te dire nous t'a expliqué nous ça. Et yo très volatile, yo pas stable. Parce que pays ça autour yo pas stable, c'est ça que fait dollar américain avec dollar Grande-Bretagne, dollar euro a qu'on matché avec et l'agence ça non seulement ça parce que gen banque américain qui a fait business avec eux quand même, mais dans un sens, comme américain vient gagner plus force pour essayer de balancer et équilibrer l'économie, ça, parce qu'ils n'ont pas voulu fermer transaction avec market et marchandises qui fait avec pays ça, business qui fait avec pays ça. Dans un sens, ça a aidé pour supporter des économies. Transaction ça, comme nous dit, au parfait avec des banques majeures pendant semaine, so, c'est ça qui fait par gain trop popularité. Elle dit, en tout, là, on a parlé de paire, nous connaissons que gain, major pair, paire mineure, okay, paire majeure, paire mineure et des exotiques. On va continuer. Nous-mêmes, nous utilisons TradingView en pile dans PSL. Pour qui ça? C'est en forme de outils nous utiliser, c'est un website, son site côté nous utiliser pour nous cas tout trader qui a fait analyse avec website ça pour nous cas comprendre tendance et nature de pair ça pour nous connaître. Non qui ça nous voulons rentrer. Parce qu'il y a des formations, il y a de et conditions market là pour cas comprendre les pour rentrer pour une position achat. Ou bien pour rentrer dans position pour vendre market là. OK? Avec dit pour nous regarder ici là là, nous voyons que ça c'est des bougies, c'est dans forme de bougie en pile fois en pile trader et ouais market là, ouais moi-même moi m'ai changé couleur, fois ça était en vert et rouge, mais si moi montrer nous et si moi montrer nous graphe moi pour le moment là. Nous ka wè que bleu et rouge. Bleu et rouge. Bon raison naturelle pour ça. Bon raison naturelle pour ça. Et nous wè, j'en ai fait analyse là sous site et TradingView. Moi, a fait en sorte que moi comprenne qui tendance market ça pour aller pour Grande-Bretagne, dollar, haïtien. Ah, bon, ouais, tellement haïtien fond ensemble. Dollar américain. OK, nous ka wè que ça c'est en tendance haussière et market là elle était sorti sous base ça pour journée aujourd'hui a nous elle était allé près de 81 pips en distance et côté où t'es ka comprendre direction ça là ou t'es ka connait deux bagages ou t'es ka connait côté pour mettre stop loss ou et ou t'es ka choisir destination pour te faire profit. N'a tourner back. Donc, fait que tu as des dit de toi, bagay là qui capa et familier à vous. Bon. Pour nous comprendre comment market la move, pas vrai? Eh bien, en anglais, nous écrit How the market moves. Market là, les move dans trois tendances. OK? En pile fois, on a tendance en anglais, tendance là, bullish. OK? Ça veut dire. Tendance haussière. Tendance haussière. On avait dit market là, a monté, puis haut. Peut-être qu'il y a un petit faute là, mais nous ne pouvons pas occuper de ça. Bien de fois qu'on entendait, on dit, we're going long, ou bien market là, pour aller nord, la fête direction nord.
Okay? Ça veut dire qu'il y a un pile transaction qui a poussé demande pre-market ça pour l'aller plus haut. Et là, comme ça, market là, qu'on a fait des higher low, pour continuer tendance ça jusqu'à ce qu'il arrive dans une zone de destination. Après ça, il y a une autre tendance. Tendance là, c'est le market là plonger ou bien la descendre tout doucement. OK? Il y aurait ça bearish ou bien tendance baissière. OK? Ça veut dire market là trending down. Ça veut dire vendeur yo pi puissant. Elle dit qu'il y a moins de demande pour tendance market ça. Elle dit c'est ça que fait market la perdu force la fonti descend puis bas pour retourner non zone de demande côté prix à antigen puis attrayante pour investisseurs. Après ça troisième dans troisième lieu nous gain consolidation. Elle dit pas gain assez volume market la antigen non de volume qui part aussi haut. Des fois, market là, qu'on a des gens nuisants, nuisibles. OK? Les market là, nuisibles comme ça, ou bien nous, ouais, que pas gain trop volume, eh bien, nous font quitter l'impôt pour nous, car ouais, qui boit et mettre market yo absorti. Parce que depuis mettre market yo pas dans market là, eh bien, pas gain volume, pas gain fluctuation, pas gain liquidité et. C'est eux-mêmes qui gagnent assez l'argent pour pousser market là dans la direction où ils gagnent pour ouvrir là. On va continuer. Session. Market sera divisé en trois sessions majeures. Session asiatique là, la plupart des fois les dimanches, c'est dans la session ça market ça vient commencer. Ah, semble qu'on va arriver là, le market là. Et pourtant, des petits bruits, ça, qu'on est. Ah, oui. Et ça fait moi-même TradingView en pile. On est là, on connaît que le market là arrivé dans une zone de supply. Très bien. On a bien pour tourner sous ça. On a bien pour tourner sous ça. OK? Eh bien, dans quelle session nous pensons mieux là? Bon, les 8 heures. Oh, 9h55 p.m. dans le moment qu'on a parlé là, eh bien, nous avons une session asiatique là qui commençait après la session New York qui est dans la market là. Donc, j'ai mis bien trois. Allez, il y a une session asiatique qui commençait près de 6h p.m. jusqu'à 3h du matin. On va pouvoir que la Hollande et l'Australie, comme chinois, comme japonais, besoin de le ça, et c'est le ça le plus actif, eux-mêmes. C'est besoin de le ça, banque plus actif, transaction plus actif. Après ça, nous venons transitionner dans la session London, et ouais, besoin de 3h30 jusqu'à 9h et 11h du matin, eh bien, c'est le ça marché par les institutions et pays Londres, c'est le ça les besoin 8h, 9h du matin jusqu'à 5h p.m., c'est l'heure à eux-mêmes où il y a plus d'activité pour eux-mêmes. Et en plus de ça, en dernier lieu, il y a New York Session. New York Session, c'est le même côté gros banque américain a fait des larges transactions et des institutions qui a et fait des transactions peut-être qui étaient pending de jour ou bien nuit auparavant, de session auparavant, qui fait tous les trois sessions, le travail main dans la main pour qu'à bail fluctuation de liquidité et pour qu'à changer tendance market là pendant journée, pendant semaine, pendant mois. Eh bien, pendant qu'on a regardé toute session ça, nous connaissons à penser, oh, qui session qui est meilleure pour trade? Eh bien, pas gain toujours une différence dans la session yo, mais yo chaque gain wall spécial yo chaque gain wall spécifique yo pour aider connecter transactions qui fait dans la market là. OK, on va tourner back.
gen time frame ki fè pati de market la tout. Si nou ap gade isi la nou wè, 1 minute, nou ka ap gade market la nan perspektiv de 1 minute. Kon sa tou m ka gade market la nan perspektiv de 30 minute, men m ka mèm rive jist nan perspektiv mensuel market la, ki fò wè ke sa nou ap gade isi la ou ilè ou de bougi. Ebyen, bougi ke nou wè isi la la, se yo mèm ki montre nou zon kote market la ap soti, kote market la ap trade, pandan peryode de tan. Se sa ke fe nou ka konen, e wap gen pou konen tou, ki le pou rentre nan market sa, le li nan tendans besyer ou bien rosyer, par rapport a zon ke yo soti ya, nan market la par rapport de time frame nan ap gade a ki ban nou diferent perspektiv de zon ke market la ap trade. Ok? Nan ap gen pou nou komprenn plus de sa nan futur la avèk leson ke nou gen tan prepare pou spesyalman le ou se an etudyan nan PSL. Nan ap kontinue. Ah, nou rive nan mouman pou nou konen a ki sa nou trade. Koman nou fè trade vèman vwe? Ebyen, MetaTrader 4 ou bien MetaTrader 5 tou, se aplikasyon sa nou itilize pou fè komers, pran trade sou telefon mobil nou ou bien nou konekte MetaTrader 4 la sou laptop ou bien iPad pou nou ka rentre nan trade pou nou fè profit. E nan sa tou, nou konekte kont nou avèk de koutiye pou nou fè profit. Se nan kon sa ou vreman ka konekte konesans ou pou ka fè profit san limit. Koto ka telecharge MetaTrader 4 la? Ebyen, sou gen ni Apple, Android, sou gen nenpot telefon ou ka telecharge li pou konekte yon akant pratik. E pi lò pre, ou fin kompren sou afer, ou ka itilize l'ajan, e l'ajan pa ou pou ka investil pou trade pou fè profit. Apre sa, nou sonje mte pale de pips. Ki sa pips la? Ebyen, le market la move nan distans kote l soti ya, nou mezure sa an pips. Sa se distans kote market la move e valeur ke market la pran ni valeur ke li perdu an fluktuasyon. Sa le di, pips la vle di price and percentage. Price an pourcentage. E pri an pourcentage, pipiti mouvman, pri ke yon pourcentage de chanj, bay fe. Mou pips la, kom nou te fe nou kompran, se sa nan forex, nan moun forex la nou konsidere un point de calculé pour profit et perte potentielle. Elle dit distance qui sortit non prix à un lot. Par exemple, si GBP USD sortit dans 1,3536, dernier petit numéro, c'est en couleur liée, donc en milliseconde, OK? Les sorties de 1,3536 à 1,3537, elle dit 10 de changement que l'il fait à ses yon pips. Même j'en tout, là, nous avons gardé PERSA qui a, pour le moment, là, nous voyons que, là, nous avons gardé à droite, prix à vaut 90,63. Allez, dit, si bah, ça soutient dans 90,63, et puis là, elle est juste dans 90,93, eh bien, 63, 93, différence là c'est 30. Allez, dit, si market ça a poussé plus haut, eh bien, 30 pips, c'est différence là. OK? N'a bien pour nous comprendre plus de ça, mais notez juste, vous voulez faire cet exemple ça pour nous comprendre pips là. Pour qui ça pips là est important, eh bien, c'est gens ça a fait l'argent et c'est gens ça pour déterminer distance de risque le wap trade dans market là, qu'il en soit tendance que la move là. OK? C'est ça fait tout, ouais, chapeau me dit catch pips and chill. Si vous besoin plus d'informations sur chapeau ça, ou qu'à monter sur www.financeinvestissement.com.
forexfashion.co. Eh bien, c'est moi-même tout qui met marchandise ça sous ta main et acheter ça tout ou à monter sous website là. OK? Kounya là, nous gain pour nous comprendre c'est ça que fait Jean Noir pour marquer ça ici là. C'est bougie ou bien baleine qui représentait mouvement market ça. Le n'a regardé, ça n'a regardé. Tendance là, aider nous comprendre direction market là pour aller par rapport à bougie ça. Le n'a regardé sous time frame une heure temps, nous ouais, market là, la move la créer des bougies. Et si nous regardons le time frame, nous regardons à tout, nous ouais, que il y a 56 minutes qui restaient pour bougie ça fin expirer. Et chaque bougie ou bien baleine qui créait dans le time frame que le créé a, ils connectaient ensemble par rapport à tout le time frame pour créer action de prix qui a fait dans le graphe ça que nous voyons. So, c'est ça qui représente bougie ça. Il y a un côté rentre, il y a un côté ouvri, il y a un côté que il ferme. Et puis tout ça, on a regardé ici là qui tout cherche là, ça a son mèche lié, même avec toute baleine et qui existait. N'a pour continuer, on a parlé de spread et leverage. Ça crée le spread avec leverage là. OK? En bon créole, on t'a dit levier. Spread, c'est prix. Qui différence que courtier a demandé entre prix que market la vend et prix que market la acheté. Dans market ça a toujours gain un monde qui a vend a toujours gain une institution qui a acheté. C'est ça qu'on market. OK? Toujours marchandise là c'est l'argent. C'est ça que fait on peut toujours gain une compétition qui a fait entre les deux. Les deux. C'est ça fait tout. La leverage là, c'est on bagaille que on crédit que coûte à offrir. Non, l'autre mot, c'est tant qu'on levier. Sous bien 500 dollars que vous mettez dans le coûtier, vous avez plus de chance que vous avez des options qui font qu'à trade 100 fois dans position. Oui, ou bien 200 fois dans la position que vous voulez entrer, ou bien 500 fois chaque dollar vous investi, mais vous venez avec des risques. Vous avez bien pour apprendre plus comment pour utiliser avantage ça et comment pour manage risque que vous avez pour prendre le web trade. OK? So, en plus, leverage là, ou bien levier, là, car aider vous faire plus profit à quoi vous investir. Mais faut faire attention, faut connaître qu'il est pour utiliser. Spread là, comme nous te dit nous, c'est prix vente coutière. Non, c'est prix vente coutière pour l'argent et bid price là tout c'est prix qu'a acheté coutière pour l'argent. Donc, si moi y aller ici là, moi monter sous personne, moi ouais que prix pour acheter, c'est 90,63. Mais si moi clique dans paramètres ça auto, on va cliquer sur ça et puis après, on va montrer nous. Ça nous voit ici là. Nous voit gain en demande pour prix a gain mon cap acheter gain mon cap vendre et puis dans mi-temps mon cap acheter mon cap vendre gain mon cap mandé pour prix a gain mon cap vendre dans position ça ou ouais que c'est là spread là c'est là ou ka rentrer dans trade là et puis côté a met tout un côté dans mi-temps ici de là pour bon prix pour même tout rentrer pour qu'à faire partie market ça. C'est ça qui spread.
OK? N'a pas pour nous expliquer ça puis plus. Vidéo ça c'est juste pour qu'à informer ou n'a pas continuer. En dernier lieu, nous gain de trois barres pour nous parler. Stop loss et take profit. Stop loss, les fait pour limiter perte qui ont investisseur qu'a prend ou bien qu'a fait dans l'opposition. Stop loss là, c'est un coup, par exemple, si moi ouais market là à pour aller dans direction ça, eh bien, la plupart des fois, moi t'as même été stop loss moins qui bon. En bas ici là, en cas que market là commence à plonger descendre, m'pas vle continuer ouais moins qu'apprend perte d'apipito que stop loss là automatiquement ferme trade ça pour l'autre occasion pour me joindre qui pi avantageux pendant moi ouais market là monter puis ouais puis moi non trade qui a pour aller puis ou bien moi non buy position même j'en tout si moi ouais market là descend puis bas moi rentrer dans trade qui sont sell position en position m'a vendre. Eh bien, m'a mette stop loss moins pi ou pour qui ça? Parce que m'a pas ta, moi m'vle protéger account moins. Et m'a pas ta vle pour si market sa monte pi ou point ça, que moi nan trade qui a descend pi bas toujours. Ok, so c'est ça que le stop loss là. En plus de ça, take profit ou bien take profit, c'est destination que moi ap expect pour market là. Allez. Allez, si moi ouais market ça pour ces pivot toujours, nous qu'a choisi dans application que les MetaTrader 4 là pour moi utiliser un point dans market que moi dans market là que moi penser que market là pour aller. So, là nous te gain petit photo ça. C'est main côté ou qu'a mettre information ça, stop loss, take profit. En attendant que market là arrive dans destination que ou a expect là. C'est ça que les take profit avec stop loss. Par exemple, si mon balance 1000 dollars, mon rentre dans trade stop loss moins 20 pips et m'a risqué juste 20 dollars si moi a trade à 1 dollar par pips. Vous relez ça lot size. Qui veut dire tout? 20 dollars dans 1000 dollars, c'est juste 2%. Mais au moins, m'a bien pour moi faire deux décisions pour me connaître qui côté market là pour aller pour moi car écrit en take profit et qui côté tout market là, ta descente qui me pas ta remet dans trade là, qui m'a choisi une zone pour moi dit OK, zone ça c'est stop loss. On nous continue. Mais côté nous fait toute information ça, qui décision que nous gain pour nous prendre. Et pour nous ka rentrer dans trade avec un cob qui est vrai, avec un vrai investissement. Eh bien, c'est dans comme ça nous t'a parlé nous de courtier qui connecté avec MetaTrader 4 application. Courtier, c'est une compagnie sur Internet qui bail commerçant accès à une plateforme qui permet de acheter ou bien pour vendre l'argent étranger. En pile courtier. En cours, il y a un courtier que moi-même moi utilisé, c'est fxsway.com. OK, là où monter pour créer account tout et puis c'est comme ça que vous venez connecter courtier ça avec MetaTrader 4. Il y a pile l'autre encore. Et gain en Haïti, gain qui est le Turnkey Forex. Il y a un pilote et il y a KOT Forex. Tout, c'est des courtiers que vous pouvez mettre l'argent, soit par Bitcoin ou bien par carte de crédit. Et puis, vous avez accès à différentes options de bagages que vous pouvez trader. L'argent, stock, crypto, indice, etc. Okay? N'abdiez pour nous donner plus d'informations de ça dans l'académie. Et en dernier lieu, avant de finir, pendant à regarder bon gens webinaire ça va demander tête eh bien quel style de trade m'kaye pour combien de temps pour m'obliger à rester dans trade pour me faire l'argent
Eh bien, il y a différentes options de trader que vous prenez, ou même au carré, ou bien au carré évolué pour pendant carrière ou comme un trader. Il y a des styles que vous pouvez apprendre en cours, scalping. Il y a des gens qui rentrent dans le trade là, n'importe quel profit vous faites, vous prenez, pa, vous prenez, pa. Ça, c'est le scalping. Vous pas dans le market là pour trop longtemps, ou là, dans une période de 1 à 5 à 15 minutes, ou faire profit ou faire pour finir pour journée. Ça, c'est le scalping. Intraday trader, c'est objectif. Essayez de faire un trade à la direction que vous pouvez aller dans une période de soit 15 minutes après de 5-3 heures de temps pendant période session ou bien pendant toute reste session. Allez-y, si moi rentre dans un trade et puis moi ouais que pendant la journée en market lag pour continuer dans toute direction ça, eh bien pendant 5 heures de temps ça m'a kembe trade là, ça veut dire que m'a intraday trade pendant session New York là ou bien pendant session London, et bien c'est ça que les intraday trading. Et puis gain swing trader. Ah, mon swing trader ça, oh, moi-même pas tellement aimé swing trade, mais c'est un coup où sorti dans zone dans time frame qui pi haut et puis où ouais côté pour entrer dans trade là et pour kembel pour plus de 24 heures de temps au moins. Dès pour dépasser 2 heures de temps, il doit swing un trade. Dès pour dépasser 2-3 jours, ou quelques jours qui viennent tourner en semaine, ou swing. Mais dès pour commencer à faire un bon trade pour des mois, eh bien, ça a les position trading. Allez, ou trade en position. Ou quand qui est-ce qui fait des positions trading puis plus? Banque. Parce que vous-même, vous avez essayé de stabiliser un prix de là à là, et bien, vous avez une position par là, vous avez pour des mois, et bien, des fois, des années, pour vous avez structure prix, market là pour pour l'argent économique qui a fluctué. Eh bien, amis, c'était qui ça Forex là, en tout. Nous parlons en pile topic. Mais topic ça c'est eux même ou vinn gen pour vinn à l'aise avec eux pour ka faire profit sans limite. Comme moi dis nous, visitez site là pour ka apprendre plus dans trading. Et moi-même m'a gen pour moi gen opportunité pour moi ka ban en pile dans topic ça pour nous ka décortiquer tout objectif ça pour ou même comme objectif par pour qu'à faire profit dans market là. Moi relé Ant Félix, je content parler avec nous, je content exposer ça que les forex là pour nous qu'à comprendre de plus en plus. N'a pour la prochaine fois. Merci beaucoup.